Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe pas trop mal. Alors, on a décidé avec les collègues de PS de vous donner un peu de travail à faire pour à la fois que vous gardiez un peu la forme, pour que ça vous paraisse moins long aussi, et puis pour vous changer des idées. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On mettra à chaque fois sur Pronote quand on publie une vidéo ou quand vous avez du travail à faire. Vous avez déjà dû en avoir hier, donc on était jeudi. Vous avez déjà dû avoir une fiche de circuit training qui est arrivée sur Pronote. Donc regardez-la, ça dure 7 minutes, il n'y a pas de rendu à avoir, mais ça peut vous faire garder la forme. Donc aujourd'hui et dorénavant, on vous proposera aussi des vidéos qui sont variées. Il y aura peut-être une chorégraphie de step, un peu de renforcement musculaire, des petits défis, soit de musculation, des défis un peu amusants. En tout cas, on va essayer. Et peut-être un peu de relaxation. Donc, on n'est pas encore très au fait des différents supports vidéo. Donc, chaque collègue peut-être choisira un peu une manière de fonctionner différente. Moi, je pense que je vous invite à aller voir sur des liens sur YouTube. Je pense que je mettrai sur YouTube quelques petites vidéos avec des exercices, des défis, des choses comme ça. Voilà. Donc, la première vidéo, elle date d'aujourd'hui. Vous pouvez la faire ce week-end. Elle sera composée d'un exercice de gainage. Elle sera composée d'un exercice de pompe. Et voilà. Et puis, vous pouvez le faire ce week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Si vous voulez nous envoyer des vidéos à votre tour des exercices, des défis que vous faites, vous pourrez le faire à une adresse qui sera notée sur Pronote. Donc, n'hésitez pas. Vous mentionnez bien votre nom, votre classe, et comme ça, peut-être qu'à chaque semaine, on pourra donner une mention spéciale à certains d'entre vous. Allez, bon courage et gardez la forme. Alors d'abord quelques consignes. Premier défi, on va faire un peu de gainage. Et plus vous serez fort à l'énigme, moins vous ferez longtemps de gainage. Donc je vous rappelle que le gainage, on va le faire de cette manière-là. On va poser les deux coudes au sol, on va se mettre sur les pieds et on va essayer de garder le corps le plus droit possible, sans faire ni un accent circonflexe, ni la banane. Donc on reste droit. Ok? Donc je vais vous donner une énigme. Très simple, une petite blague, hein, monsieur, madame, ont un fils et une fille, et vous n'aurez pas le droit de quitter la position tant que vous n'aurez pas trouvé la réponse à la question. Ok? Toutes les 10 secondes, chronomètre à l'appui, je vous donnerai un indice. Ok? Alors vous êtes prêts? Je vous laisse le temps de vous installer et je vais lancer le chrono et à partir de là, on se mettra en position. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, monsieur et madame Secoué ont un fils et une fille. Comment s'appellent-ils? Premier indice, c'est il faut se remémorer une pub pour une boisson. Deuxième indice, c'est une boisson gazeuse. Troisième indice, sinon la pulpe. Donc monsieur et madame Secoué ont un fils et une fille. Ça va faire 45 secondes. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Donc le fils s'appellerait et la fille, ce qui ferait Secoué. Voilà, ça fait 1 minute. J'espère que vous avez trouvé Laurent et Gina. Ce qui fait secouer Laurent et Gina, sinon la pulpe, elle reste en bas. Allez, maintenant on se prépare pour le deuxième exercice. Donc vous vous mettez au sol comme moi. Donc vous tournerez pour être sur le ventre. Position pompe. On va faire quelques pompes. D'accord. Je vous propose d'en faire 20. Ok. Chacun choisit son niveau. Soit vous faites comme moi sur les pieds. Soit, si vous pensez que ça va être un peu trop dur sur les pieds, vous pouvez le faire sur les genoux. Auquel cas, vous pliez les genoux. Et surtout, il faut garder le dos bien droit. D'accord? Et les fesses, tout le corps bien droit. Ça ne sert à rien de lever les fesses en descendant pour ne plier que les bras. On reste bien droit et on bascule sur les genoux pour plier les bras et les repousser. Bon courage!
Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On essaie de garder le rythme, le même rythme que moi. C'est parti. Avec le 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore. 6, 7, 8, 9. 10, je passe sur un bras. 11, 12, 13, 14, change de bras. 15, 16, 17, 18, sur deux doigts. 19, et 20. Voilà, c'était pas si compliqué. Ok, c'est fini pour aujourd'hui, donc je vous avais pas menti, moi je l'ai bien fait sur les pieds. J'espère que vous avez pu passer un moment sympa, 5-6 minutes sympa. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos d'autres collègues ou de moi-même. Allez, bon courage, bon week-end.